Salut tout le monde, c'est Taras, on se retrouve pour un nouvel épisode de Devil May Cry. Dans le dernier, si je me souviens bien, ça fait un certain temps, on avait tué la... Enfin, on avait capturé la nénette de Mundus. L'espèce de pute chauve. Pareil, si je me souviens bien. Avec son gosse, si, elle se bat avec son gosse. Voilà, donc là, c'est la suite. Alors, on lui proposait un échange contre l'autre nénette. Pas l'air en très très bon état. Ouais, vraiment pas. Avance. Pas de coup fourré, toi. Ah, j'espère qu'ils vont pas nous faire la vidéo en entier, ça va prendre 2 ans sinon. Ah, lui il va merder, Virgile. J'en suis sûr. Oh, c'était sûr. Et l'autre, elle va pas se prendre une balle. Non, puis je prends des couilles, s'en fout. Mais pourquoi t'as fait ça? Il le fallait. On ne joue pas avec un dieu. Ah, il a pas l'air content du tout, Mundus. Tant mieux, baston. Mets-la à l'abri, grouille. Pas y arriver. Ah,
Oh, je me rate totalement. J'ai fait n'importe quoi. Bon, les contrôles devraient pas être trop longs à revenir. Mais... Et le temps ne se passe pas du tout à la même vitesse. En fait, il faut que j'aide la voiture à passer. Ah zut, fallait que je plane. Alors là, il me faut le point. Hop, grosse tonche. C'est pas comme ça, celle-là. Voilà. Ça suffit pas. Allez, allez. Ah là, ça va être petit passage chronométré. Bon, je suis très mauvais, hein. Ça se voit que ça fait vraiment un petit bout de temps que j'ai pas à jouer. Racler en morceaux. Ah, je me demandais quand est-ce qu'on les verrait eux. Pas loin, c'était vraiment pas loin. Je pense que le camion ne survivra pas éternellement. Il est vraiment, vraiment fâché, Mundus. Ouais, j'ai couru trop vite, je suis tombé. Hop. Alors, j'ai plusieurs chemins à gauche, droite. Ah, puis il y a même quelque chose de caché par là, en fait. On va vous attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Une étoile. Un peu de pognon. Quand même prendre le temps d'explorer. Alors, droite ou gauche? Droite, ça m'a l'air d'être pour continuer. On va aller à gauche. Je crois même qu'il y a une clé cachée là-haut. Ouais, il y a bien une clé et je l'ai ratée d'ailleurs. Je suppose que c'est pour grimper aux échelles. Non, il sait pas grimper aux échelles. Il peut faire des super bons, mais il sait pas grimper aux échelles. Alors ensuite ici on a quoi? Ah, des petits mobs. Ah, c'est-à-dire que j'ai été trop long. C'est bel et bien chronométré, d'accord. On va refaire ça rapidement.
La clé est revenue. Non, la clé, je l'ai. Donc, pas besoin d'aller rechercher. Oh, je tombe. Mais c'est intolérable. On va aller sauver la voiture, en fait. Ce sera fait. Et ensuite, je reviendrai en arrière. Pour ça, ah, mais voilà, là, ça continue aussi. Bon, c'est déjà la fin de la mission, ça aura été une mission particulière celle-là. C'était l'occasion de se remettre dans le bain. Bon, on voit que Virgil a perdu son sang-froid, c'est étonnant parce que quand on le voit dans les autres Devil May Cry, il perd pas trop son sang-froid. Donc voilà, bon, c'était particulier, c'était court, mais c'était intense. On se retrouve très rapidement pour la suite.